Donc là, l'autonomie baisse hein, plus vite que. Un peu plus vite que d'ordinaire, hein, parce que le vent. Toujours le vent de face. Un vent d'une trentaine de kilomètres heure. Donc je parlais aussi d'une vidéo que j'avais faite sur les aides de l'État concernant. Vous voulez vous débarrasser de votre voiture. Hein. C'est la deuxième sortie sur route. Les primes à la reprise hein, de votre voiture. 2500, 5000 euros. Et ça n'avait pas été très clair pour beaucoup de concessions. Concessionnaires automobiles. Les personnes arrivaient avec leur voiture en espérant une bonne reprise avec l'aide de l'État. Il y a des concessions qui faisaient un petit peu sans trop savoir comment faire, justement. Il y a quand même, ça a été mis sur le journal officiel, c'est accessible au public, hein, à tout le monde, surtout aux professionnels, puisque eux sont à même d'avoir les bonnes informations, c'est leur métier, hein. Chacun son métier, après tout. Et non, c'est quand vous allez pour la reprise de voiture, que vous êtes dans les conditions établies, hein, vous êtes à 13 600 quelque chose d'euros, je crois, ou 13 400, déclaration de revenus. Vous êtes en dessous de ce seuil-là, donc vous avez droit à 5 000 euros. Même pour l'achat d'une occasion, hein, neuf ou d'occasion. Hein. Et ça, il faut partir avec votre déclaration, votre avis d'imposition, vous emmenez tout. Vous occupez pas, vous emmenez 2017, parce que c'est sur 2017. Hein. Et bien, si vous avez 2018, emmenez sur 2018, parce que de toute façon, le temps passe. Hein. La vidéo sera toujours en ligne. Faut pas hésiter. Alors j'approche du lac du Der, donc toujours dans la Haute-Marne. Oh, c'est comme partout, c'est cramé, hein. C'est grillé. Ah, si vous êtes attiré par une voiture que vous trouvez sur une annonce, le bon coin, peu importe, c'est parce qu'il manque. Une Zoé, une électrique, peu importe le modèle, vous êtes intéressé et vous avez. Vous voulez savoir si vous avez droit à l'aide. N'hésitez pas à chercher sur internet, à vous déplacer, à téléphoner. Sinon, c'est pas. On sait qu'on a le droit à des aides, mais c'est pas toujours facile de savoir comment s'y prendre. Mais vous avez un numéro de téléphone hein, sur votre déclaration de revenus. Bah, pour pas hésiter à téléphoner. Hein. Je crois qu'il doit être surtaxé, mais pas grand chose. Ça, c'est pour éviter les appels qui servent à rien surtout. Ça filtre en quelque sorte. Je pense que c'est pour ça qu'ils doivent faire payer. Au départ, c'est sûr, ça surprend. Hein. Mais bon, une fois que vous avez votre aide, alors est-ce que l'aide, elle est accessible une fois que l'achat est fait? Ou est-ce que cette aide est donnée avec une preuve? Enfin, comment expliquer ça? Est-ce qu'il faut la preuve de l'achat ou pas la preuve de l'achat? Parce que l'État ne vous lâchera pas 5000 euros sans avoir une preuve de ce que vous faites, c'est normal. Là, c'est pas simple. Parce que si vous n'avez pas les fonds pour acheter la voiture, ou il vous manque par exemple les fameux 5000 euros, ah, du coup, bah, ça ne peut pas se faire. Ou alors il faut que le vendeur fasse, amène la preuve sur papier, avec signature, qui s'engage à vous vendre en exclusivité la voiture dès que vous aurez les finances. Oui, ça peut se faire.
au niveau d'un particulier, je pense que oui. Après, il faut se renseigner là aussi. Hein. Mais bon, 5 000 euros, dis donc, ouais. C'est bien. Hein. Une Zoé à 8 000 euros, vous l'avez à 3 000 euros. À 3 000 euros. Bon, on va avoir un aperçu du niveau du lac. Le plus grand lac artificiel d'Europe. J'espère que la sécheresse n'a pas trop asséché. Parce que c'est un beau lac. Les sources du lac. Ah bah non. C'est étonnant ça. Hein. Ah, c'est incroyable. Hein. Je me pose des questions à savoir d'où c'est qu'elle vient ce tout là. Ils ont dû fermer les vannes, mais je comprends pas. C'est un lac réservoir qui doit alimenter. Oh, je sais même pas quelle rivière. J'en sais rien, je connais pas trop le coin ici. Je connais un peu, mais sans plus. Mais j'en viens pas qu'il y ait autant d'eau encore. Alors que le lac de Lucigny, vous avez vu sur mes vidéos, les trois lacs du département de l'Aube sont en train de s'assécher. Hein. Ah, ils sont utilisés pour alimenter Paris. Alors évidemment, c'est une priorité. Ah non, ah oui. Eh ben non. Oula, j'ai rien dit. Il est en train de se vider. Il est tellement grand que j'avais pas vu l'autre partie. Aïe. Oh bah ben non, là, dis donc, c'est pas bon. Ah, il se vide le lac, hein, comme les autres. Et sauf qu'il y a beaucoup plus de volume d'eau. Voilà, direction Saint-Dizier. Alors toujours la Zoé impeccable parce que je freine pas, ça recharge. Je vais freiner un petit peu peut-être, même pas, j'ai pas besoin. Dans 2,8 km, au rond, prenez la deuxième sortie sur D384. Si Dacia finalisait une voiture électrique du genre de Duster qui est en face là, transforme ça en 4 roues motrices avec une batterie, comme la Zoé 50, oh bah alors là, ça fera un tabac. Hein. Eh bien qu'il était impatient. Elle était impatiente. Voilà, je suis d'accord. Donc si le Dacia était... Ou je pense qu'un jour, ils vont... Mais ils doivent y penser, hein. C'est un projet, hein, normalement. Il y aura de l'électrification. Ouais, enfin bon, ça va être électrifié, la gamme Dacia. Ah, c'est leur intérêt, hein. Parce que quand le problème des bornes sera résolu, et de toute façon, ce sera résolu, hein. Ah bah ça... Ça va peut-être rentrer à coup de marteau, mais ils vont finir par comprendre. Hein. Et quand ce sera résolu, que tout le monde sera content des bornes, qu'il y en aura partout et surtout puissantes, ah bah là, il n'y a plus rien qui retiendra la vente de l'électrique. Hein. L'autonomie, c'est intéressant de toute façon. 300, 350, 400 km, c'est bon, c'est suffisant. Vous pouvez prendre plus. Vous pouvez prendre du 500 km, 600 km. Mais bon, il faut que les bornes suivent derrière en puissance, parce que quand même, il y a une grosse batterie rechargée. Mais bon, c'est à l'utilisation qu'on comprend tout ça. Ça s'explique, oui, mais c'est vous qui ferez votre apprentissage. C'est suivant votre style de conduite, vos possibilités au quotidien. Vous pouvez vous contenter de 150 km. Ça, il y en a beaucoup qui ont une Zoé 22 kW. Ils sont très contents. Point, lui, il a été passé au lance-flamme. Ouais, rien. Aïe. Dans 2,9 km, au
19 degrés. Cette nuit, c'était tombé à 7 degrés. Et vous voyez, ça ne bouge pas au niveau batterie. Malgré qu'il y a eu plusieurs heures dans la nuit où c'était froid, avec un vent, du vent en plus. Hein. À la campagne où j'habite, c'est en plein vent. Vent de nord-est, ça n'a pas bougé au niveau de l'autonomie. Voilà. C'est tellement gros comme masse, la batterie. Il faut dire que c'est quand même bien protégé. Il n'y a pas un moindre courant d'air qui rentre là-dedans. Hein. Avant que ça refroidisse la carcasse qui est autour, la coque, il faut plusieurs jours. Hein. À moins que vraiment une grosse chute de température brutale. Et là, non, oui. Du jour au lendemain. Le plus bas que je suis tombé, alors qu'il gelait, c'est moins 7 degrés, c'est 220 km. Ouais. Ça n'a pas été plus bas. Et le plus haut que je suis monté, 390 km. Sur une batterie 41 kW. Ça fait des drôles de routes ici, on dirait sur une passerelle. C'est drôle ça. Hein. Comme une autoroute en miniature un peu, avec deux voies. Alors ici la Haute-Marne, c'est très boisé, très sauvage. On peut voir sur la carte de Oise, il y a du vert partout. Les hivers sont froids, beaucoup de hivers maintenant sont plus vraiment froids. Continuez tout droit. Ouais. Ce qui est fou, c'est que j'entends le Duster, j'entends son moteur devant. Ça, c'est dingue. Il va par-dessus le bruit du vent. Dans 1 km, au rond 3, prenez la première sortie. Ouais, ça descend. Un petit peu. Une espèce de faux plat. Oh, c'est beau, hein. Quand c'est boisé comme ça, c'est agréable. Hein. Alors, à chaque fois que je relâche l'accélérateur, je freine pas. C'est la voiture qui freine toute seule et ça recharge. Voilà, 245. Ah, mais ça va vous de... Ça va vous faire drôle de passer à l'électrique hein, pour la plupart. Hein. Ouais, presque pas d'eau qui sort. Ouais. Au rond-point, prenez la première sortie sur D384. Ah, je me prive pas. Hein. Quand il y a 110, c'est 110. Hein. On peut rouler tout confort jusqu'à 120 avec une Zoé. Sa vitesse de pointe sur celle-ci c'est 130 km/h. C'est le maximum qu'elle peut faire. Donc sur autoroute c'est pas vraiment agréable. Je pense pas parce que vous avez. Prenez la première sortie sur D2B. Ah ouais, bavarde là. Oh, j'ai roulé à 140 avec hein, sur la rocade. Oh, j'étais énervé ce jour-là. Ah bah, je suis arrivé à 140, autant de le dire. Je me... C'est fou, parce que bon... C'est violent et c'est rapide. Et j'étais à 140, le bruit me cassait pas les oreilles, à dire. C'est un bruit complètement différent du thermique. C'est pas le moteur qui hurle, non, non, non. C'est autre chose. On entend le vent, principalement. Alors avant à 140 km/h, on l'entend bien. Électrique. Pour ça qu'après on peut dire les électriques sont plus confortables sur route à grande vitesse dans les gammes au-dessus. Oui, parce qu'elles seront mieux insonorisées. Insonorisation contre le vent principalement, avec des vitres latérales, pare-brise plus insonorisant. Alors faut que je tourne où ?
un spaghetti ici. Dans 100 mètres, au rond-point, prenez la quatrième sortie. Puis au rond-point, tournez. Eh ben, je me suis trompé. Hop, heureusement qu'il y a des ronds-points. Hein. Ben, c'est là. Ah ben non, je me suis pas trompé. Ah, mais c'est tellement des ronds-points les uns sur les autres. Oulala. Ah, là, je désactive le mode économique. Mieux. Ah, aussitôt, la puissance, là, c'est impressionnant. Avec la Zoé, c'est un régal. Ah ben non, il va falloir que je tourne à droite avant. Pas de 110. Bon, tant pis. Hein. Alors ce qui va être intéressant, c'est le test de la Volkswagen ID3. Ah oui, parce que celle-là, c'est une routière. Trois choix d'autonomie, trois choix de batterie. Plus grosse batterie, 550 km réel. Là, je vous avoue, c'est la première. Ah bah non, j'ai déjà pris cette route-là. Mais c'est tellement sec. On se croit en Espagne. Que je suis un peu paumé là. Oh, oh, dis donc. Oh. Allez, hop.